Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième émission de BD Cité. Et tout de suite, on passe à l'actu bande dessinée de ce mois-ci. Au programme, le 19e tome des Psy, J'ai pété les plombs. Le tome 35 d'Aria, Le pouvoir des cendres. On passe ensuite au tome 12 de l'élève Ducobu, élève modèle. On continue avec le 7e tome de Kaamelott, puis le tome 6 de Cisco, Négociation en 9 mm. Et pour finir, mon coup de cœur du mois, le tome 6 des Pirates de Barataria. Fou rire en famille garantie avec le 19e tome de la BD Les Psy aux éditions Dupuis, J'ai pété les plombs. Imaginez-vous une séance déjantée avec un psy aussi extravagant que l'humoriste comédien Éric Antoine. D'ailleurs, le docteur Médard ressemble un peu capillairement à Éric Antoine, ou à M d'ailleurs, ça marche aussi. Bravo au dessinateur Bédu et au scénariste Raoul Covin. Toujours aux éditions Dupuis, courez acheter le tome 15 d'Aria, la guerrière blonde créée par Michel Welland. Dans Le pouvoir des cendres, Aria croit qu'une présence habite l'urne sacrée rapportée d'Astrakhal par son grand-père. Cet esprit la hante et la harcèle chaque nuit, demandant toujours la même chose, qu'on le ramène chez lui. Aria cédera-t-elle à sa demande ? Ah, c'est bon, Roger, t'as fini, oui, je t'ai reconnu en fantôme. Ils sont bêtes. Bon, ok, on passe à la suite. Maya l'abeille, très drôle. Ça, c'est parce qu'ils sont jaloux de mon super t-shirt fait maison. Vous avez vu ? Ben oui, parce que je suis un peu la Valérie Damido du stylisme. Il est beau mon t-shirt, non ? Enfin bref, moi je me suis habillée comme ça pour vous annoncer la sortie du tome 19 de l'élève Ducobu, intitulé Ducobu élève modèle. Et c'est aux éditions Le Lombard. Merci une fois de plus à Gaudi et Zidrou pour cet album hilarant. Et dans un autre genre... Ta-da ! Dame Christelle, c'est mieux là, non ? Alors, ne manquez pas la sortie du 7e tome de Kaamelott. Après le succès de la série, on dirait qu'Alexandre Astier a bien fait de s'occuper du scénario de la bande dessinée et de travailler avec l'excellent dessinateur Steven Dupré. Pour résumer, Contre-attaque en Carmélide nous fait découvrir les coulisses de la légende du roi Arthur, mais de manière humoristique et décalée, en préservant surtout l'esprit de la série. Voilà, vous savez tout, ou presque. Ah, j'allais oublier, ça sort aux éditions Casterman, bien sûr. Attention, moi je dois y aller. Reste à finir cette actu avec une BD des éditions Le Lombard. Il s'agit du tome 6 de Cisco, signé Pennec et Legrain, et qui s'intitule « Négociation en 9 mm ». Les retrouvailles inopinées de l'agent secret avec sa sœur et les menaces d'une mafia albanaise vont bouleverser ses plans. Mais gare à celui qui touche à la famille de Cisco. Je crois qu'on m'a repéré. Et on passe tout de suite à mon coup de cœur du mois. C'est pour ça que je me suis habillée en pirate. Moi, ça me donne envie de danser. Et oui, c'est le tome 6 de la BD Les Pirates de Barataria. Attention, Moussaillon, qui sort aux éditions Glénat. Bravo au talentueux Franck Bonnet et Marc Bourne pour cette belle et bonne aventure avec des pirates, du soleil, des complots, de l'amour et du suspense, bien sûr. C'est sympathique à lire et à suivre. Et moi maintenant, eh ben, il faut quand même que je vous laisse. Bye bye. Et hop, transformation. Et maintenant, c'est la fin de l'actu BD et on passe tout de suite à l'interview du mois. C'est une surprise, je ne vous en dis pas plus. Bonjour à tous et bienvenue à Paris. Et oui, il fait super beau. Pourquoi ? Pour aller retrouver notre invité mystère. Alors là, vous demandez tous pourquoi est-ce que j'ai une boussole ? Vous allez comprendre tout de suite. On se trouve quai des Grands Augustins. Et attention, je cherche. Je crois que c'est par là. Vous me suivez ? Bonjour Franck, pourquoi avoir choisi le lieu, la galerie Maguen ? Bah déjà c'est mon galeriste, donc je trouvais que c'était pas mal de lui faire un petit retour comme ça peut-être. Et puis bon, c'est vrai que mon atelier n'est pas très grand et il y a toute une équipe derrière
derrière les caméras souvent, c'est un peu serré quoi. Donc on est là aujourd'hui pour parler de la sortie du tome 6 des Pirates de Barataria, qui est sorti, si je ne me trompe pas, le 22 mai. 22 mai, bah, tout frais. Donc pourquoi avoir décidé de partir sur une bande dessinée sur les pirates? Bah, c'est une question de passion, enfin de passion. J'ai fait pas mal de séries jusqu'à maintenant. D'accord. Qui étaient des séries qu'on m'amenait, les scénaristes me proposaient de travailler dessus. Voilà. Moi j'avais une grosse documentation personnelle déjà. Sur ces bateaux-là, parce que j'en ai fait aussi en tant que modéliste le dimanche pour changer un petit peu du dessin, juste pour mais continuer d'entretenir quand même le manuel. Je faisais des maquettes de bateaux. Voilà. Donc je suis allé voir un ami à moi qui s'appelle Marc Bond, qui est dessinateur et scénariste. Et puis lui, je sais qu'il écrit et il dessine. Donc je suis allé voir et je lui ai dit, j'aimerais bien que tu m'écrives si tu as une idée, une histoire de piraterie au début du 19e siècle. On n'est plus dans la piraterie de la flibusterie, je dirais, Barbe Noire, oui. Marie la Rouge, qui attaquait les galions, qui vivaient en fait. On s'imagine toujours que c'était des pirates, mais en fait, souvent, ils duraient 6 mois, et au bout de 6 mois, ils étaient pris, pendus, on n'en parlait plus. Et là, on était dans la piraterie plus corsaire. Donc là, il m'a dit, il y a l'histoire des frères Lafitte, il n'y a plus qu'à le décliner en bande dessinée. Quoi. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous montriez toutes ces planches que vous nous avez ramenées. Alors, sont les planches des pirates? Ça, c'est les planches des pirates. On est parti sur un premier cycle au début, qui se passe D'accord. entièrement en Louisiane. Alors, il faut savoir que les Pirates de Barataria, on suit l'histoire des frères Lafitte, qui étaient donc à la fois, je disais, pirates et corsaires. Du début, c'est cette fille, Artemis, qui arrive en Louisiane parce qu'elle doit fuir la France, elle a un secret, on ne sait pas pourquoi. Et donc, elle se retrouve abritée par les Pirates de Barataria. Et puis, suite au succès du premier cycle, ça, c'est parce que la bande dessinée marche comme ça maintenant, si ce n'est pas un succès, ça s'arrête au bout d'un cycle. Et s'il y a un peu de succès, on va faire un second cycle, un troisième cycle, un quatrième cycle. Donc la 6, ça veut dire que ça marche plutôt bien et qu'a priori, ça va continuer. Oui, ça va continuer encore jusqu'à la fin du cycle, puis encore un cycle derrière. Mais qui sera peut-être un diptyque, un deux tomes. Justement, le troisième cycle sera uniquement sur le siège de la Nouvelle-Orléans. D'accord. Eh bien, c'est gentil, mais je crois qu'on va terminer cette interview. C'est ce qu'on dit toujours, tu vois. C'est bien de poser une question et après... Et puis, on va présenter quand même le tome 6 des Pirates de Barataria, donc, qui est sorti le 22 mai et que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Et voilà, BD Cité, c'est terminé. Alors j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci à la librairie Tournons les Pages à Gournay-sur-Marne de nous avoir accueillis très chaleureusement. Et si vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou sur Facebook. En attendant, moi je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye. On va rajouter nos chaussures. Mes chaussures!